Et salut à tous, c'est Capitaine Flamme, nous nous retrouvons pour un combat de Colisum en live. Et je suis toujours avec Rouskov Molotov et sa sacrée pite. Donc le combat vient de se lancer, phase de placement, alors en face VK 187, SRAM 188, SRAM 147, on est mort. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Moi est-ce que je fais mon gros bourrin ou pas? Non, je vais essayer de jouer un peu bombe parce que je me fais engueuler à chaque vidéo parce que je joue pas assez. Voilà, ça c'est fait. Alors, que fait le SRAM? Putain, ils peuvent faire une team 100% invisible, je déteste ça. Un SRAM et un Feka, c'est vraiment la team que je déteste. Parce que le Feka, déjà, il est casse-couille à tuer quand on le voit. Alors quand on ne le voit pas, c'est la mort. Plus c'est génial, on voit personne, on sait pas dire où ils sont. Logiquement, vu où va se placer le Feka, on va pouvoir. Attendez, je rigueur. Ouais. Je sais pas ce qu'il a voulu faire là, mais bon. On regarde si le Feka il bouge pas parce que. S'il a bougé. Il a bougé. Alors où est-ce qu'il a peu. Il est con, il a foutu des. Oh joli. Bon ben Rouskov a une technique de jeu assez bourrine apparemment. On va chercher à mon avis à faire le plus de dégâts le plus vite possible. Mais putain, il se fout invisible. C'est Capi, je suis abonné à ta chaîne depuis très longtemps, je te suis. Hein. Je sais pas quoi faire moi. On sait jamais qu'il y ait quelqu'un. Hein, Je tape au hasard. Oh! Je l'ai trouvé! Putain, dire que j'étais à une case de pouvoir le foutre dans le mur de bombe, ça aurait été pas mal ça. J'ai pas lu ce qui c'est. Alors, fais de bonnes vidéos. Je suis, si t'es en train d'en faire une dédicace, s'il te plaît. Bah, dédicace. Ah. Toi, alors. Alors, petite dédicace à Dark Mortel qui a un abonné apparemment. Il y a un truc que je sais pas, c'est si on peut faire. Si on peut faire. Comment? Folie sanguinaire sur les bombes, je sais pas. Je vais demander. Sanguinaire sur les bombes. Il y a Dark Mortel qui est en train de se faire plaisir là dans les commentaires. Queries de Feka. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors.
Où est-ce qu'il est? J'ai pas regardé où il était, putain, j'aime pas ça. Ah, j'ai touché quelqu'un. On va essayer un truc qu'on m'a dit en commentaire que je sais pas si ça va être possible, mais on va essayer. On va le retaper. Bah ça a servi à rien. Où est-ce qu'ils sont? Montrez-vous, hein, bande de petits cons, je supporte pas ça. Je serai... Putain, mais ouais, mais maintenant avec mes conneries, on va se le taper dans la gueule, ça fait chier. Montrez-vous! Oh, Quicks. Oui, il peut. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non! Pourquoi il s'est mis là? Bon, logiquement, le FK, après ce tour-ci, on devrait le voir. Je pense. Maintenant, à moi de voir où est-ce qu'il est. Bon, on le voit pas encore. Ça me pèle les couilles. Non, il est pas là. Ils sont là quelque part. Mais où? À lui, dès que ça va être terminé, il va se remettre invisible en plus. Oh punaise, je déteste ça. J'aimais déjà pas les SRAM avant, mais là, franchement, après ce combat, ça va pas aller. Mais ouais, mais ils retournent tous mes trucs contre eux. Ça me fait chier. Démentation. Qu'est-ce que j'ai fait? Tant pis, je me suicide, j'en ai marre. Ça me saoule trop ce genre de team, franchement, j'ai même pas envie de jouer quoi. À mon avis, ça va être Capi le rageux numéro 2 ou alors la team invisible ou je sais pas, invisible ou invincible, un truc du genre. Je sais pas, je vais voir. Et le pire, c'est qu'ils jouent pas bien, hein, mais putain, ils ont blindé de. Je sais pas.
En même temps, j'ai joué comme un babache, hein. Tout le jeu encore me faire se engueuler dans les commentaires. Oh là là, quel combat de merde. Bah yeah, ils jouent pas super bien en face, mais voilà, ils ont de la visibilité et un FK, donc on sait rien faire. C'est quand même grave, hein, le colis ça devient comme sur Call of en fait. Sur Call of on râle tout le temps parce qu'il y en a, ils jouent avec des armes entre guillemets cheatées qu'ils appellent ça. Mais sur Dofus ils font du colis mais toujours avec des classes entre guillemets cheatées. Donc là en fait sans FK ils savent rien faire. Tu retires leur FK, ils savent rien faire. Il n'y a pas une team. Soit ils ont un FK plus un Nenny parfois, donc c'est impossible de faire autrement. Donc je sais pas, hein, je vais peut-être regarder s'il y a un combat dans pas longtemps. Et sinon, franchement, ça m'énerve ce genre de combat, c'est vraiment ridicule. Bon, au moins, vous voyez un peu sur le genre de team à la con qu'on peut tomber. Et vous pouvez voir aussi comment je joue très mal quand ça m'énerve. Et ça vous montre en plus que je ne sais pas jouer contre les SRAM. Parce que je déteste cette team, cette classe, plus que tout. Donc voilà, moi je vais vous laisser là et peut-être à un prochain épisode ou que je vais tourner tout de suite s'il y a un autre combat. Allez, salut à tous.